Salut les youtubeurs, c'est Coach. Je suis là, ça va ou quoi? Salut les youtubeurs, c'est Coach. C'est ça va ou quoi? Ouais, j'étais obligé de le faire, mais c'est bien quand celui-là le fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale avec celui-là. Et donc, ça sera une sous-lance. Bon, j'avais remarqué que vous avez kiffé quand celui-là et moi on faisait des vidéos, surtout à propos du foot. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple, c'est que j'ai fait une liste de matchs intéressants de la semaine qui arrive là, juste là. On va s'asseoir tous les deux, on va faire chacun nos pronostics. Et ensuite, vous, vous pourrez aussi faire vos pronostics et à la fin de la semaine, on verra qui est les meilleurs. Celui-là, Céane ou la YouTubeance. C'est parti. Ok la YouTubeance, donc on s'est installé confortablement sur ce canapé, tranquillement. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'on a aussi une chaîne de couple qui s'appelle Céane et Souhila. Du coup, bah, n'hésitez pas à y aller. On fait plein de vidéos, plein de petits vlogs, des petits challenges. Qui de nous deux mange le plus? Attends, non, je suis pas d'accord. des trucs assez sympas quand même. Des pranks, des demandes en mariage. Des mariages. Voir la vidéo de la demande en mariage de Céane Garnier, elle est sur notre chaîne justement. Ce qui va se passer, c'est simple, j'ai énuméré une liste de matchs qui auront lieu cette semaine. Ok. Tu devras soit dire qui va gagner, okay. Soit dire match nul. Ok. Et moi aussi. Okay. On va noter le résultat et à la fin on aura une liste que. Et on va voir qui va gagner. Exactement, la semaine prochaine du coup. Ok. Ok. C'est sûr que c'est moi qui vais donner le meilleur pronostic. Tu penses? Ouais. Ok, bon on va voir. Non, c'est Ryan qui va donner le meilleur pronostic. Ryan, il est trop chaud là. Alors le premier match, ça sera de la Ligue des Champions directement et le premier match, forcément, j'ai oublié d'ouvrir le bal avec. C'est la Champions League, c'est la Champions League. PSG Celtic FC. PSG. PSG. On connaît même pas le deuxième club. Arrête, la honte quand même. Alors vas-y, Celtic, c'est dans quel pays? En France. C'est la, Ligue 1 que tu me dis là. Non, la Champions League. Champions League? Alors ça peut pas être en France. Réfléchis, les Celtes, les... Tu sais, c'est... Norvège. Non, mais c'est dans le délire. Danemark. Non, c'est pas, pas dans ce délire. Russie. Non, c'est plus... plus en haut, mais Italie. À gauche. Espagne. Non, à gauche, en haut. Angleterre. En haut. Irlande. Toi-même, tu sais pas. Attends, Glasgow c'est où? C'est en Irlande? Glasgow c'est en Écosse, c'est en Écosse. C'est là où il était Bougala. Non, c'est en Écosse, voilà, c'est Écosse, Écosse. Attends, moi j'ai dit Paris, et toi? Paris. Paris, ok, copie. Ensuite, on passe au deuxième pronostic qui est Borussia Dortmund versus Tottenham. Quoi? Dortmund? Dortmund. C'est là où tu vas, là où... ok. Là, tu peux le dire, tu peux le dire. C'est là où il y a... j'allais pas dire comment Obame. Il s'appelle. Obame. Et ben en fait, oui, j'ai filmé une vidéo avec Aubameyang. D'ailleurs, elle sort très très bientôt sur la chaîne. Restez connectés. Alors... Tottenham. Pourquoi? Parce que c'est juste à côté de Oxford Street et qu'il y a tous les magasins là-bas. Bon, bah vous savez quoi, comme moi je suis portugais. Non, je rigole. C'est Celtic qui va gagner. C'est quoi? Putain de merde! T'as pas mis de teinture blonde là? C'est Dortmund. Dortmund? T'as dit Tottenham là-bas? Non, j'ai dit Dortmund. Ok, moi je vise, je pense un match nul, voilà. Franchement, mais je sais pas du tout où ils sont classés tous les deux. Ok, Dortmund, c'est quel pays? C'est l'Allemagne. Ok, mais parce que j'y vais en fait, je vais filmer. Et c'est quel championnat l'Allemagne? Bête. La Bundesliga. Aïe, ok, la carotte la son. D'ailleurs, si vous voulez voir pourquoi on rigole après à propos de ce nom, la Bundesliga, fallait voir la vidéo ma femme parle de foot sur le film qui est juste là. Elle était magnifique comme vidéo, j'ai kiffé. Cite-moi 4 des plus gros championnats européens de football. 4 ? Ouais, les noms. Alors, on va tout de suite aller sur l'autre. Atlético Madrid versus Rome. Allez, on va dire Atlético parce que y a Grisou. Ok, moi je dirais aussi Atlético. Le duel, enfin le choc de cette journée pour moi, ça sera Juventus versus Barcelona. Donc Barcelone, moi je dirais un match nul parce que c'est la Juventus et que c'est quand même la Juventus sont assez durs, ils sont souvent dans les meilleurs. Ok, on passe directement au championnat de France. On commence par un match qui me tient à cœur. Troyes versus Angers. 3. Allez, moi aussi je mets pour 3 parce que j'ai joué que à 3. Parce que c'est là-bas. Voilà. Ok, ensuite, Nice versus Lyon. Donc moi je dirais un match nul. Moi je dirais c'est l'OL. Ensuite, on a Marseille versus Guingamp. Guingamp? Ouais, tu connais? Guingamp. Ouais, Guingamp. Non, je connais pas. Tu connais pas Guingamp? Est-ce que tu peux savoir le nom du stade de Guingamp? C'est Guigigou, un truc. Ouais, c'est pas mal. Ça s'appelle le stade du Roudourou. Oui, aucun rapport. Ouais. Bah du coup, moi je dis Marseille. Ok, Marseille. Et toi? Moi je dis Marseille aussi. Monaco PSG. PSG.
Non, attends, Monaco aussi, ils ont de l'argent. C'est à Monaco. Les deux, ils ont du fric. Allez, tu sais quoi, match nul. Je dis quand même PSG, moi. Ok. Je dis quand même PSG. Ensuite, on passe en Angleterre, à la première ligue. Et là, on a West Ham versus Leicester City. Tiens, moi, West Ham, j'aime bien, tu sais, à cause de... T'as regardé le film, Les Hooligans? Pas du tout. Ah, si, si, je crois, j'ai vu. Je crois que si, je l'ai montré. Ouais, c'était pas mal. Alors du coup, je vais dire West Ham. Bah du coup, moi, je vais dire Leicester City. Voilà, okay. Je crois qu'il y a Riyad Mahrez qui joue encore là-bas. Liverpool versus Chelsea. Chelsea, baby. Ouais, qui font une bonne saison, mais je vais dire Liverpool parce que c'est à domicile et qu'ils sont tous les deux à égalité dans le championnat anglais. Swansea City versus Bournemouth. Ah, Bournemouth. Pourquoi? Parce que je connais la ville, que j'y suis allée, que y a la mer. Je me rappelle pourquoi Bournemouth. Pourquoi t'étais à Bournemouth? Toi, tu parles de Portsmouth. Ouais, peut-être. Portsmouth, je suis partie parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait deux joueurs algériens qui jouaient là-bas. Et on est parti avec des copines parce qu'on les regardait un match où ils jouaient là-bas. Et toi, t'as dit qui? Moi, ça sera Swansea. Et ensuite, on va passer à l'Espagne. Real Madrid versus Malaga. Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ouais, on va pas se mentir, Real Madrid. Et Valence, Barcelone. Moi, dès qu'il y a Barcelone, je vais dire Barcelone, tu sais, donc Barcelone. Moi, je dirais un match nul. On passe en Italie. C'est quoi le nom du championnat italien? Donne-moi un nom. Il y a deux noms, tu peux dire. Ligue 1. Non. Una Liga. Non, c'est pas comme ça. Tu vas me dire, c'est encore un nom genre Bundesliga Non, c'est... Il y a un nom qui veut dire football. Football. Non, c'est le Calcio ou alors la Serie A. Milan versus Torino. Milan. Ok, moi je dirais Milan aussi. Et Juventus versus Crotone. Juventus. La Juventus, bien sûr. Donc, on a toutes les prédictions. Donc là, vous voyez le tableau qui s'affiche avec les prédictions de Souila. Et avec les prédictions de Céane. Et on va rajouter une case qui sera la YouTubance. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur mon Twitter tous les pronostics des matchs. Vous pourrez aller voter. Et du coup, à la fin de la semaine, je vous mettrai dans le tableau avec les pourcentages. Et on verra qui fera le meilleur résultat. Votez pas comme moi, parce que vous savez que genre je vais gagner. Du coup, Zama, vous allez voter comme moi. C'est même pas la peine. Ah, tout de suite, ça se voit. Ouais, copieur, je vous connais. Il y en a qui sont vraiment humbles dans leur truc. Mais c'est comme ça qu'on aime la petite Souila. Si vous avez kiffé cette Souilance, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Dites-nous dans les commentaires quelle autre vidéo à propos du foot. Tiens, on va ramener Ryan d'abord. Regarde la caméra, Ryan. Coucou. Ouais. Allez, regarde, on fait la outro. Donc dites-nous dans les commentaires quelle autre vidéo à propos du foot vous voulez qu'on fasse, Souila et moi. Des choses à rajouter? Non, bah écoutez, moi je suis très confiante par rapport à mes pronostics. Je pense que là, clairement, je peux aller jouer dans des trucs là, type casino pour parier sur les genre matchs. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le coach Ryan qui apparaît juste sur Ryan. Et, Non, il apparaît pas sur Ryan, c'est bon, okay, archi mort. Je le fais apparaître juste à côté, voilà, ici. Et on se voit bien sûr à la prochaine séance. Et bye, bye.